Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SEJC Électronique à Saint-Sauveur. Un autre ordinateur, un Toshiba satellite, qui m'a été apporté parce qu'il surchauffe. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je ne l'ai même pas parti rien. Je vais aller tout de suite voir à l'intérieur, au niveau, j'ai déjà commencé à le démonter. Je vais aller voir à l'intérieur au niveau du ventilateur, si tout est beau. Il va faire un bon nettoyage, vérifier que le ventilateur fonctionne bien. Là, j'ai commencé à le démonter. J'ai enlevé la mémoire, j'ai tout enlevé. Je ne suis pas sûr. Puis, il y en a qui n'ont pas besoin de l'enlever. Mais là, quand je voyais que ça ne voulait pas, j'ai dit, ah, le clavier s'enlève. Et voilà. Et là, on a quelques vis ici. Et voilà. Beaucoup de poussière dans le ventilateur, puis souvent, c'est qu'est-ce qui est bouché, c'est ça ici. Puis je pense que c'est ça qui arrive en ce moment. Fait qu'on va tout déboucher ça. Mettre les vis ici. On débranche le ventilateur. Mais oui, il était bouché. Fait que c'est normal qu'il ne pouvait pas refroidir. J'enlèverai pas tout. Je vais emmener ça. Je vais aller passer l'air comme il faut dedans. Le ventilateur est tout beau. Maintenant ici. Fait que cherchez pas pourquoi tu chauffais. Il est tout dégagé. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on va pouvoir remonter ça. Et voilà. Marche à nouveau. Bien comme il faut. Parfait. Tout fonctionne. En ce moment, il charge. Il charge plus. Il charge. Tout est beau. On arrête ça. Puis on remet ça au client. Merci. Bonne fin de journée.